se retrouve pour la suite directe de notre épopée fantastique avec les momies. Salut tout le monde. Coucou. Bonjour. Et j'avais l'espoir de pouvoir refourguer toutes les merdes que j'avais dans mon inventaire à Carcasse avant que le dialogue se lance. Mais non, 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 il veut pas, donc on va devoir lui parler. Du coup, qu'est-ce qu'on va choisir? Renégocier les termes du contrat. On fait autre truc. Ou est-ce qu'on l'attaque direct comme des gros bourrins parce que bah les couilles. Comme tu veux, suis ton cœur, pour citer un. Mon cœur, allez. This is your preferred course. To change the terms of our arrangement now that you feel you have the upper hand. Est-ce que on va tenter l'intimidation? Je me contenterai de la torche de révocation, le truc qu'on a déjà quoi. Le truc qu'on pourrait récupérer sur son cadavre. Ou qu'on a déjà. Oh, c'est beau. Ce talent, ce talent. Eh ouais. To try manipulate one who makes the dead dance from his fingertips. Strange. My spirits witness thieving hands snatching up the very item I wished to give. The torch of revocation. As you have paid for your indiscretion, we shall leave the matter at that. Now. Je crois qu'il l'a mal pris. Il l'a mal pris que je lui vole son truc, je crois. Bon. On va peut-être quand même le tuer. Attends, je dois d'abord détruire le Vascanop. Si je le dépose là et que je me balance un truc dessus. C'est même pas de quoi tu parles. Bah, de son cœur. Ah. Je sais pas comment on fait pour casser cette urne. Non. Ah si, peut-être moyen. Ici. Trouvé. Ouh, pas mal. Qu'est-ce qui est pas mal? Bah le nombre de trucs qu'il a fait épopée. Et qu'est-ce qu'il a dit en fait? Attends, si, avant de le taper, si tu veux, je le mets par terre et je le mets par terre, paf. Non mais c'est bon, j'ai déjà tapé, hein, je t'ai pas attendu. Hein. Ah bah super. Attends avant de le bouger s'il te plaît. Putain, a loupé. Plus personne ne tape Carcasse. Non non, moi c'est bon, je. Ça aurait été beau. Il a pété. Littéralement, il a pété. Oui, mon sang est explosif. Pourquoi je peux pas attaquer? Aucune idée. Et ta réaction pour... Bah non. Pourquoi tu peux pas attaquer quoi? Qui? Quand? Comment? Myrmidon ne peut pas attaquer. Il est nauséeux. Incapable d'effectuer des actions. Hé, hey, de l'eau qui a envie de vomir. Hey. Aucun sens. C'est là où faudrait utiliser Bourrasque. Qu'est-ce que t'es en train de... Ouh. Et ça, ça c'est sympa ça. Ça fait 4 alliés en plus avec nous. J'aime beaucoup.
Je voulais tester si je pouvais attaquer en même temps. Et c'est quoi ce sort du coup que t'as lancé là? C'est un truc que j'ai. Bah, c'est un des sorts que j'ai obtenu avec le. Le livre de. Oh. De l'écran. Et en plus, ils ont l'air d'être autonomes, donc ils peuvent se battre tout seuls. J'ai pas l'impression que je peux les manipuler. Non, c'est des alliés. Ils sont après toi, non? Ah non, ils sont autonomes. Ah, c'est bien. Putain, mais ils sortent d'où ces trucs là? Bah, c'est Arda qui les a invoqués à l'instant. Hein. C'est moi, c'est ma magie. Vu que j'ai lu un livre de nécromancie, je peux invoquer des ghouls. Oh! Putain, c'est pas mal. Beau gars. Ouais. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord. Jet de sauvegarde réussi, allez! Être dans ton fer! Rapprochez-vous! Faites un joli pâté! Mais oui, c'est bien! Vous avez tout compris. Ah bah, il se relève lui. Oh, j'espère que si on le tue, ses potes ils meurent pas, hein. Ça serait triste. Qu'est-ce qu'il a fait là? On va te le dire tout de suite. J'ai vu un nuage de. Ah! Oh! Oh, ça fait mal, ouais, ça! Ouais, attends, je. Ça suffit! Voilà. J'ai bien le. Ça suffit. Allez, ah, le nuage de mort, c'est pas le. Non, laisse-moi le finir, s'il te plaît. Ah, bah non, c'est vrai que j'avais déjà tué Mystic Carrion. Ouais, j'ai rien dit. Vas-y, tu peux bagarrer. A votre avis, est-ce que le heal ça fait des dégâts sur les morts vivants? Esquive. Je crois pas. Ça se tente. Ça va pas être mal ça. Ça fait des dégâts à mes créatures. Oh merde! Non. Même pas. Non, même pas. Oh, c'est ballot. Quoi? Ah ouais, en fait le manteau du croisé, ma petite cape là qui permet de filer 1 à 4 dégâts radiants à tout le monde, ça permet de concentrer, donc ça m'aurait permis en fait de faire encore plus de dégâts parce que ça aurait enclenché l'anneau qui me permet de faire 1 à 4 dégâts. Il nous, mais ça les a pas, il eux. Effectivement. Par contre, maintenant on est mouillé. Mon dieu, non. Vulnérabilité au froid et à la foudre. Il a gelé toute la salle. J'ai bien fait d'être sur une table. C'est tombe, voilà. Allez, let's go. Allez, voilà. Ça va être la fête. Let's go. Et les tiens, ils tombent pas, incroyable. Et ouais, mais ça c'est la talentitude du mage. Vas-y. Par terre. Allez, mais t'as vu, je suis un génie. Je crois pas, non. Ah, je vais me heal au cours prochain. Bon, alors vous déjà, vous êtes mort. Voilà, on va commencer par ça. Ah, je vous ai fait. Ensuite, toi. Tu crèves. J'ai dit. Tu crèves. Voilà. C'est quoi, c'est rien. Ouais, ce heal. Bon, il en reste une. Ah
Ils sont tous tombés en même temps, ça me fume. Ah mais du moment qu'on lui a buté, du moment qu'on lui a buté le cœur, on l'a tué là ou il est Ouais, il est mort. Ah, on peut reparler au gars là. J'ai quand même envie de prendre son cadavre au cas où. Vous l'avez looté le Kiki Carrion? Non, moi j'ai pas pu. Le Le Mystic Carrion, c'est bon. Oui, c'est Katox qui l'a looté. Oui, le bâton il est incroyable. Hein. Non, le bâton il est pas mal, je l'envoie à Arda. Et il a un bâton de fou. Si tu veux devenir nécromant, c'est The Bâton quoi. Clé du cabanon sur la plage. Seigneur des cryptes, j'ai gagné ça, c'est pas mal ça. Ah bah oui, oui non, c'est clair que l'anneau, l'anneau avec ton truc là, Necromancy of Tay, il peut faire carrément une armée de squelettes. Ah, non mais c'est entre l'anneau et le bâton, surtout le bâton que t'as pris, il est incroyable aussi. Hein. Bah il a déjà un bâton de fou. Bah il pourra lire l'autre et puis faire son choix. Ouais mais le bâton, je sais pas ce que c'est, essence vitale là. La FSS. Enfin si c'est ça, c'est en fait dès que tu butes quelqu'un, tu... T'as un spell gratuit en fait. Ouais, enfin de nécromancie. Oui, enfin bon, des sorts de nécromancie. Quelqu'un peut m'envoyer un peu de gold? J'ai des. Tiens, je t'ai envoyé 24k. C'est parce que j'ai un peu de trucs à acheter. T'as envoyé mes 24k. Tiens, regarde, je lui ai même envoyé 5k de plus. Pourquoi moi j'ai pas d'argent? Bah, c'est accès, j'ai tout filé hard. Tiens, du coup, je te rends des sandales. J'espère. Est-ce que vous avez des merdes avant? Non. Mais pourquoi, attends, je t'ai filé des sandales et t'as repris des sandales de gladiateur? Mais non, mais j'ai trouvé des sandales là. D'accord, et bah tiens, je te donne un sac qui pue. T'as appris ce qu'il te fallait, Arda? Oula, mais super, bah non. Pas encore. Bon, est-ce que... Alors attendez, moi je propose quelque chose, c'est-à-dire que là, les deux Pégus là, qui se sont ramenés là... C'est bon. Est-ce qu'on laisse vraiment des morts vivants dans cette jolie cité? Quoi? Hein? Bah là, il y a 4 morts vivants qui se sont ramenés là. C'est pas grave, ils vont disparaître au bout d'un moment. Moi qui me suivent? Ah, ils me suivent. Tu vas faire peur à tout le monde. Bon, allez, je prends le cadavre, on sait. Ah, merde. Ah, il voulait le. J'ai le voile du matin. Les morts vivants subissent un désavantage sur leur jeu d'attaque contre vous, tandis que vous bénéficiez d'un avantage sur vos jeux de sauvegarde contre leurs actions et leurs sorts. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de le voler. Il avait plein de sous. Non mais puis c'est des morts vivants, on peut pas les laisser vivants, je suis désolé. C'est pas possible. Hein. On peut pas se permettre ça, hein, à un moment donné. Cette jolie cité, absolument pas corrompue par le mal, ne peut pas accepter d'avoir en son sein... Bon, attendez, je vais essayer de... Ah bah non, je peux pas. Depuis quand t'as des valeurs, toi? Non, depuis j'avais envie de les buter. Qu'on soit clair. Voilà. Ma valeur, elle est là, j'avais juste envie de le buter. Le point me démange. C'est... Ah mais non, tu l'as tué. Et regarde, il a un PV aussi. Oui, bah c'est bon, il est mort, voilà. Il y a que ça. Ah, mais je préfère mon bâton à l'heure actuelle, parce qu'il est légendaire. Légendaire. Ah, surtout les sorts de nécromancie, t'en as beaucoup ou... Ah, j'en ai plein, mais oui. C'est un mage, il a virtuellement tous les sorts du monde. Moi, je magifie ce que je veux, hein. Ouais, mais est-ce qu'ils sont bien les sorts de nécromancie? Je sais pas. En vrai, il y en a des stylés, mais bon, après, le truc, c'est qu'il faut les avoir préparés, quoi, c'est plus ça. C'est ça. Ah, j'ai pas d'idée de quels sorts sont des trucs de nécromancie ou non, je vais pas vous mentir. Ah, pfff, toi, oui, d'accord, t'as la tripotée de bidule là. Bah, t'as cercle de mort, t'as déposition, t'as. Ah ouais, le cercle de mort. Déposition, c'est pas mal, hein, déposition, c'est pas mal, hein, 30 à 80 points de dommage sur une cible. Non mais attends, je suis en train de penser cercle de mort, sachant que c'est un sort de nécromancie, ça veut dire que tu butes quelqu'un, tu peux claquer cercle de mort, genre gratos? Exactement.
Ouais. Ah c'est pareil, ouais, déposition c'est pareil. Oh ah ouais. Ouais ouais, non mais c'est pour ça le bâton il est vraiment bien en vrai. Ah j'avoue. Tu balances des dépositions dans tous les sens, des cercles de bord. Non mais c'était surtout li... Ah bah je suis tombé. Oh Blight aussi. Ah ouais, en vrai ouais c'est propre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ouais, mais la faveur de Kereska Ah oui, non bah c'est trop bien la faveur de Kereska. Et moi quand en fait je vous avoue, je l'ai surtout tué pour une et unique raison. C'est que regarde ton inventaire, Mulmire. Voilà. Bah c'est l'argent que j'avais moi. Non, c'est l'argent qu'avait le mob. Ah ouais? Oui. Il avait combien? Il avait 5000 PO. Oui, bah c'est parce que j'ai fait du commerce avec lui. Voilà. Mais non, le Gus, la momie de merde, pas le boss. Oui. Et tu lui as acheté pour 5000 PO? Oui. Trombo. Le mec avec son cœur là? Oui. Ah bon? Celui qui a vomi la jarre. T'as acheté quoi? Des composants et puis des parchemins. Bah, raison de plus pour la. Mais non, mais c'était le mystique qui les avait, c'était pas trop beau. Non, je les ai achetés après. Ah, je sais ce que je dis quand même, je sais à qui je les ai achetés. D'accord. Très bien. D'accord. Par contre, on a fait un dégât des eaux dans la maison, c'est dégueulasse. Hein. C'est... Allez, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, un élixir de soif de sang. Et Raboule. Hein? Et on est pas content de cet achat, hein? Mais c'est surtout que c'était un achat gratuit. Il nous l'a littéralement donné. Enfin bon, il nous l'a donné, façon de parler, mais... Il nous l'a cédé à moyennant sa vie. Voilà, c'est ça. C'est le paiement n'était que sa vie. Alors, Damon, on peut pas lui parler. Ah, mais Katox, t'as changé de fringue. Oh, depuis le début du truc, hein. J'avais pas fait gaffe. Avant, t'étais vert, et là, tu l'es plus. On avait déjà bagarré Gortash, non? Non. On avait pas bagarré Gortash? Alors, non, Gortash, on n'a pas bagarré. Quand je vais sortir avec mes ghouls. Est-ce ah ouais, non. Se mettre tout le monde à dos. Bah, on peut aller bagarrer Gortash. Non, ils vont se barrer. Non, ouais. Non, je regarde parce que là, on peut aller bagarrer Gortash, on peut aller bagarrer Aurine. Oh, on peut bagarrer Aurine en premier, je l'aime vraiment pas. Bah, on peut. Il faut qu'on arrive à ouvrir la porte du temple contre laquelle on est tous comme des teuteux. Mais non. Et on n'avait pas eu un bouquin. Mais si. Il y a pas eu. Qui nous disait je sais pas quoi, allumer trois lampes et faire je sais pas quoi, une connerie. Ah oui, nous avons maintenant gagné accès au temple de Baal, mais Aurine ne sera pas contente que nous ayons démantelé le tribunal du meurtre. Nous devons atteindre le temple et sauver la victime avant qu'elle la prenne. Bah, soit ça, soit on peut aller buter Gortash. Choisissez. Tu es Aurine Ouais, je préfère être Aurine d'abord, mais faut aller où pour ça? Bah on a un marqueur de quête. Ah yeah. Oh non, mais ouais, on a aussi. Un TP surtout au temple de Baal, quoi. Je sais oh, pas. Oh putain, c'est fou. Allez, let's go. Temple of Baal. Paf. Commencez par allumer ce brasier. Moi. Est-ce qu'on a ouvert la porte alors? Pour l'instant, la porte est fermée. Ouais. La porte close. Alors. Attendez. Ah, c'est pas le chemin est clos. Non, mais attendez. Là, on passe, si on avance, on passe en truc rouge. Donc, est-ce que d'abord, vous voulez vous soigner, faire un short rest ou des conneries comme ça? Gatox, soigne-toi. Moi, si on fait pas de short rest, je vais regagner mes points de ki à la one again. Moi, je suis opérationnel. Gatox? Gatox, est-il là? Ah, est-ce que tu te soignes? Oui, regarde. Regardez, hop. Je fais du tai chi. Voilà. On s'en fout. C'est bon, allez go. Attends, je peux faire ça maintenant et un peu plus loin. Paf, paf. Oh, y'a des pièges. C'était pas les plaques qui faisaient juste ressortir du sang? Oui, mais écoute, dans le doute. Y'a encore des pièges. Après, on s'en fout de ça. Voilà, voilà. Plus vite de tirer dessus, hein, on va pas se mentir, mais. Bon, maintenant faut trouver comment on fait pour ouvrir cette porte. Mais... Bon, on a trouvé une amulette de Baal. Appuyez l'amulette contre la porte. Ah ouais, ça marche? Non. Bah, je sais pas. Bah,
sais pas. Moi j'ai une amulette mais Ah, c'est tout rouge. Je suppose que ça fonctionne. T'as fait quoi pour l'ouvrir? J'ai mis un caillou sur un autre caillou. C'est fou. C'est dingue. Il y a des gens de l'autre côté là. T'as gagné une inspi. Tête de mort de balle. Putain, mais les gars, ils ont buté des cités entières par autant de cadavres là. Boum. C'est Aurine au milieu là-bas là. Laissez-moi lui parler, si un truc d'intimidation c'est pour moi. Alors, il semblerait que ce soit elle, oui. Allez, coucou. Vous êtes où là? Attends, avant. Voilà. Wallace-ness of body. Allez. Moi je me rapproche en du... Ah bah... Si j'ai su que ça faisait ça, je l'aurais pas lancé hein. Spilled my grandfather's crimson. He was mine. He showed me how to slice and slit. He guides my dagger still. Oh, did it think it could protect? Did it think it could save? Only the blades can offer salvation. Tente d'intimider. Après, je peux dire que Gortash est mort. Oh, persuasion. Tu persuades, toi, tu déceptionnes. Ouais, non, tu déceptionnes bien. Hein. Tromperie, t'as plus 11. Hein, alors que. Ouais, ouais, ça. Va pour la tromperie. Persuasion, je crois que c'est pareil, t'as plus 11 aussi. Je dois faire 25. Bon, bah, bisous. Hein. Maintenant, c'est mon ami. Oh. Ah, pas grand chose, hein. Ah, t'as de quoi relancer? Après, ouais, j'en ai gagné quelques-uns. Vas-y, utilise-en au moins une. C'est bon. Je fais un à côté. Passe tout juste. Hein. Malédiction du MJ, comme d'habitude. Complètement con. Ça doit faire mal aux cheveux son énorme truc au bout de la terrasse quoi. Déjà le poids des cheveux doit être super lourd. Ouais. Puis on dirait vraiment que c'est qu'elle a une armure en crabe. Ça a désossé des gros crabes géants et se fait une armure avec. Oh non, elle nous trahit. Oh ben non. Oh, oh ben... Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Oui mon seigneur. Très bien. Travail terminé. Quoi, je travaille? Oui bien sûr. Vous n'avez personne d'autre? Je débarrasse d'elle. Prosequier. Arda il va pas par quatre chemins. L'attaquer. Non mais elle je l'aime pas. J'aime pas. He watches over me. He worships me. He built the foundations on which I'll carve Baal's succession. Oh bah c'est nous les héros. T'as une très belle tenue, Katox. Ouais, hein. J'aime bien. Ouais, grave stylé. On paraît à elle, en même temps c'est pas compliqué, mais... Déjà je suis propre. Voilà. Après elle, j'ai l'impression que c'est surtout c'est sous sa peau il y a des trucs dégueux. Ouais, et puis ses yeux, ils ont un problème, la cataracte a crevé quoi. C'est ça, on va lui. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Complètement taré hein. Oh, c'est pas beau. Eh hey, une grosse sauterelle. Ouais. Ah, je suis pas en combat. Place au prince Ali.
T'es en combat avec quoi là? Espèce de sauterelle qui est là. Non mais parce qu'on n'est pas en combat nous, c'est juste pour savoir qu'est-ce qu'on doit tuer. Ah bah je suis en combat. C'est bon, je suis en combat. En fait quasiment tous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi faveur sanglante? D'accord. Faudra refaire le truc de buter tous les autres avant d'essayer de défoncer Aurin. C'est quoi le don de balle qui a 1 sur 1 là? Oh, c'est alors, quoi son... Elle a 10 amis. Dites c'est le amis. Gros crâne. Alors déjà, elle est à 12 en inarrêtable déjà. Ça va être chiant. Ouais. Elle a attaque supplémentaire améliorée, attaque d'opportunité, esquive instinctive, esquive totale, forme immuable, main leste, résistance à la magie, savoir-faire, sentinelle parfaite, vision dans le noir. Bon, on sait pas attaquer les gars parce qu'ils ont sanctuaire. Bah, si résistance on peut pas les de légende. Oui, mais bah alors. De combat. Sanctuaire, ça marche pour les attaques directes. Mais tout ce qui est AOE, tu peux les bagarrer. Qu'est-ce qu'un sanctuaire? Tous les mecs qui sont en train de convulser là. Les balles sanglantes. Les favoris sanglants, ouais. Les balles. Les. Là? Bon, si je la hex, je fais quoi sur de la dex? Elle est dans quoi là? C'est quoi? C'est la truc d'Adar fin, que t'as lancé? Fin d'Adar, ouais. Bah moi, mes jets, c'est surtout force. Attends, je regarde force, sagesse. Ouais, c'est force et sagesse, hein, les... Je peux pas, parce que sinon, ça enlève la fin d'Adar. Ce sera pour quand j'aurai plus besoin de la fin d'Adar. Ah, il faudrait qu'on fasse de l'AOE pour bagarrer les... Pour les petits kikis là. Petits kikis. Ceux qui sont en sanctuaire. Enfin, je sais pas ce que c'est la faveur sanglante, je sais plus. Bah, sur le principe, je veux bien, mais je sais pas si je peux. Au début de chaque tour, balle de l'élu de balle aura un don. C'est-à-dire. Je vais essayer de le stun. Mais... Je suis QC. Bon, j'enlève des inarrêtables. Hein. Je pouvais lui faire un petit missile magique hein, pour. Oui, mais bon. Non, je crois pas. Ah. Oh. Aïe. Si ça t'avait poussé, comment j'aurais ri? Vu là où elle s'est placée, franchement j'ai pas envie de tester. Pas imaginer, je l'ai vu souffler, j'étais en mode oh ça va le pousser, oh, ça va être si bien. Par contre j'ai l'impression que ton perso il a un peu peur, hein. Tu feras gaffe. On essaie de la bagarrer ou... Bah, j'ai diminué son inarrêtable là déjà. Ouais mais en fait pour moi les cons là ils lui foutent du inarrêtable tous les tours en fait. J'ai l'impression que c'est ça la faveur sanglante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors attendez, je vais essayer, moi je vais faire un truc. Excusez-moi, je cherche le truc en question. C'est honteux. C'est honteux. Normalement ça devrait le faire non? Paf! Et je là, peux faire un tuer, mais... Ouais mais regarde j'aurais fait des dégâts. Ce que je dis, les AOE en gros les AOE ne retirent pas le sanctuaire mais au moins ça les... comment dire... Ah oui puis c'est 5 des... par tour 40 points de dommage, ouais c'est bon ça. Bah ouais j'avais ça qui traînait dans mes sacs et comme ça me permet de... je vais rester là moi. Ouais. Oh non, il m'a lenteurisé la gueule. Oh. Ouais. Ah mais c'est vrai qu'on a les ghouls qui peuvent lui tapoter sur la gueule. Ouais. Ralentissez Sylvian. Mais maintenant, on va aussi avoir... Ah, création de mort vivant, je ne dois pas être en tour par tour.
Vous ramenez un cadavre à un semblant de vie sous la forme d'une momie combattant à vos côtés jusqu'au prochain long repos. Ah bah je pense qu'il te faut un cadavre frais, il y a pas de, cadavre là. Non, mais c'est surtout s'il faut pas être en combat. Ah ouais, c'est dommage. C'est comme ça. Effectivement, je pense que les kiki en sanctuaire là, il faut les bagarrer hein. Bah ouais, si t'as de la OE, essaie de les... Genre, je suis forcément de la OE, faut juste que... Je vais probablement utiliser le même sort que toi. J'ai plein de pare-choux. T'aurais pas genre une chaîne d'éclairs ou un truc qui tape énervé? Si, c'est une chaîne d'éclairs. Mais ça risque de taper notre bon ami... Parce que le truc, il est long, hein. Je pense qu'avec une chaîne d'éclairs bien placée, tu peux en faire 1, 2, 3... Ah oui, alors peut-être que je rapproche... Est-ce que tous les gens qui sont dans... Est-ce que ça va taper les gens qui sont... Bah tu vois... Tu la vois la ligne normalement? Ouais mais est-ce que ça va passer Ils sont dans la ligne ou pas? J'en vois un. Ah bah peut-être qu'on sert son truc. Après tu peux peut-être te déplacer un petit peu, non? Ah bah je suis au max là. Ou une glyphoire d'un truc, je sais pas. Je sais pas comment ça va se propager. Dans des trucs. Un violent éclair frappe la cible et trois autres éclairs jaillissent aussitôt de ces dernières pour frapper jusqu'à trois autres ennemis dans un rayon de 18 mètres. Sachant que j'ai 18 mètres de portée, ça va le faire. Ah ouais, normalement ouais, ça devrait le faire. Oh que j'aime ce sort! Stylé. C'est pour ça que je voulais jouer un prêtre de la tempête, mais j'avais pas ce sort. Enfin si, je l'avais. Ah ouais, elle est en train de... Allez, on est d'accord qu'elle est en train de lécher le sol là. Bah ouais. Des trucs. Ouais, tu vois, là il a regagné, il est re à 12 de inarrêtable là. Je pense entre... qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose avant en fait. Du coup, vous me pardonnerez, mais j'ai peur pendant deux tours donc je ne sers à rien. Bon, pas que je serve à quelque chose de base, mais. Mais j'ai eu l'impression qu'elle avait gagné un autre truc que ça. Je suis immobilisé. Ouais, je sais pas vous, mais je passe un mauvais moment. Hein. Je vais essayer de venir te filer un coup de main si jamais je mettrai le nuage de gaz sur. Bon. Nous allons donc au grand mot. Les grands remèdes. Oh, j'en ai plus. Oh putain, au moment où j'en ai plus, forcément. C'est pas grave. Toi, déjà. Tu vas aller arrêter de casser les couilles. Voilà. Ah bah je suis plus lenteurisé, tiens. Tu l'as jeté dans le vide? Ouais je l'ai poussé ouais. Le loot. Le loot. Ouais bah. Le loot se barre. Ça vient te faire foutre avec ton loot hein. Ouais, oh. Est mort. T'es mort, on déplaçait tes. Qui est mort? Ah oui. C'est qui? C'est Dino. Mais c'est le druide. Mais il était là? Le tas de sang, il est à côté de toi là, ah, qui est sur l'hôtel. C'est lui qui était au milieu. Et pas Thomas. Ah mais c'est toi qui l'as buté. Non. Bah ouais. Non non, ah, c'est pas moi, c'est le don de balle qui l'a buté. Ah. Ah putain. Bon en même temps, il servait pas à grand chose, faut pas se mentir. Bon. Bon. Ouais, ah mais je peux pas, je suis trop loin. Oh vas-y. Il va bien faire foutre. Inarrêtable de mort. Hein. Ah bah lui aussi il balance une fin d'adar. Hein. Ah non, il l'a enlevé, putain. Avoir buté le ça la okay, quoi. What the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce à dire que ceci? Voilà, s'il était pas mort, Alcine, il est mort là. Thank you.
Bah, j'essaie de placer le. Paf! Non? Il y a le don de balle qui est dans le tour, il a un PV, faudra peut-être le détruire. Je sais pas s'il est destructible. Ouais, en fait, c'est ça mon problème, c'est que je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait taper pour le. Aucune résistance, aucun trait notable. Ouais, mais il est nulle part en fait. Si, si, si il est au mur. Oh, t'as pas de chance, hein, mon pauvre. Il m'a relenteurisé la gueule. Oui, non, moi il m'a pas lenteurisé. Il sait qui. Mais vas-y, mais il saoule, hein. Bon, après, en même temps, il a 20 PV, hein. Normalement, je devrais pouvoir le buter. Mais sur le principe, ça fait chier. Tu vas avoir une attaque juste. Oui, bah, si je le tue, il est plus lenteur. Oh! Et il est mort donc. Il s'est fait sniper. Il fait sniper. Bravo, bravo, merci. Merci bien. Alors attends, qu'est-ce que c'est faveur de l'inarrêtable? Vous insuffle une partie de son pouvoir terrifiant, ce qui vous rend inarrêtable. Et ce jusqu'au prochain long repos. Ah bah j'ai toujours peur. Voilà, c'était mon tour. Où c'est que tu le vois ça? Parce que moi je le vois. Je suis remonté dans le truc pour aller lire ce que ça faisait en fait. Ah d'accord, ouais, parce que j'étais là, je le voyais pas dans les. Ah ça lui en donne 12! Ah ouais, non mais il faut trouver un moyen de caler la pue, hein. Je pense que c'est 12. Les deux gars en fait, tant qu'il y a les deux mecs là, on est niqué quoi. Ouais, Moi je pense aussi, hein, vu qu'ils sont rouges, les yeux sont rouges, bon. Moi par contre je peux pas les taper, hein. Bah je leur mets des AOE, c'est pour ça, je fais ce que je peux. Ah mais si, mais je peux refaire mon arnaque de tout à l'heure. Je peux les repousser dans le vide. Vas-y. Les deux. Ouais, c'est... Non. Sinon, Katox, il va mourir. Bon, de toute façon, c'est pour ce que je suis utile. Oui, mais c'est ce bah, je peux pas, malheureusement, je peux pas pousser l'autre dans le vide. Parce que c'est une action de balancer des flèches spéciales. Malheureusement. Mais... D'ailleurs c'est bizarre, je l'ai tué le gars et ça m'a pas donné d'action supplémentaire. Par contre je trouve qu'elle a... Même si elle a les... Il n'a pas tué selon les saintes écritures. Et du coup ce qui va se passer c'est que... J'ai l'impression d'être dans l'obligation de devoir tuer cet homme. Déjà on va se heal, c'est gratuit. 12 à 28, ça le tue. Oh ça va tellement rigolo. Adieu, oh gars qui fait je sais pas quoi. Il a résisté. Ah ouais, il résiste de ouf, hein. Moi ouais, les nuages de gaz quasiment tous ils ont résisté à ce que je... Bah je peux plus lui tirer dessus, par contre je peux tirer sur la meuf là-bas. Je peux pas aller trop loin. Ma vie c'est de la merde. Est-ce que je peux tirer sur le gars qui est en bas de l'escalier? Pas plus. Bon, je peux tirer sur le nain, cela dit. Bah, en bas, il y a deux gus en bas de l'escalier. Et je vais m'écarter un peu du nain. Pour l'instant, je ne suis plus terrorisé. Ouais. Mais je suis mort. Oui, voilà. Putain, oh mais ça charme! Elle t'a loupé! Elle était pas mort! Enfin, si, si, je suis mort! Ah, si, là, Suis mort pour cause de décès. Ouais, c'est ça, là il souffre de décès, mais prolongé quoi, c'est. Est-ce que bah, j'ai cette. Tu utilises un pare-chaud de résurrection. Ouais. Ton. Ah, ton. Tu es à terre. Ton myrmidon il peut pas faire genre 19 de dégâts pour buter le mec qui convulsionne là comme un. Comme un cul, hein. Comme ça, moi je lâche le cloud bidule et je commence à rigolade. J'ai tout raté. Bon, et puis on va relancer le nuage. Alors, quoi, que je sais pas si je relance le nuage, ça lui refait du dégât quand je le pose ou. Non, mais en gros, c'est à son tour, ça lui fait des dommages en fait. Ouais, mais si je le pose là, ça lui fait pas des dégâts? Si. Non. Attends, vas-y, on va aller voir. Si ! Paf ! Ouais, mais il lui reste encore 6 PV. Oui, bah... Ouais. De toute façon, je vais le buter quand ça sera mon tour, mais... Je vais le repousser, et puis voilà, enfin, tu vois. Ça se prend la tête. Oh là là, par contre...
Impo, invocation de Katox. Invoquer le Katox. C'est là que c'est Katox qui les a. Moi j'en ai normalement. J'ai pas l'impression d'avoir de parchemin de résurrection sur moi. Hein. Dans mes bourses, dans une de mes deux bourses, il doit y en avoir un. Allô ? Trois même. Comment ça, les trois bourses ? Ah oui, non, mais pas celle d'alchimie. Putain, elle est vénère ta goule. Hein. Alors... La cible est bloquée, choisir la destination. Mais il faut que tu sélectionnes un endroit où tu vas la résurrectionner. En pleine santé. En pleine forme, comme. Allez, on a rien vu, mais franchement, c'est la. Oh. Comment on bute ce donbal ? On va essayer de détruire ce truc si possible. Mais on va voir si en butant le dernier. Yet. Voilà. Oui, abu- bien wesh, bien wesh, bien wesh, ça a fait disparaître. Allez, maintenant. Ça c'est fait. Ah, en plus, si tu l'attendris, ça va être tellement rigolo. Ah mais... Oh, il a sauvegardé ! La sauvegarde de Katox, let's go ! Ah non. Non. C'est là... Comment ça ? Il a invoqué des squelettes, là. Bon, ça va, c'est 37. Y'a plus le don de balle dans le... Dans le temps d'ordre, ouais, j'ai vu. C'est bon, je passe en turbo bagarre ? C'est ouais, bon, tu peux passer en turbo garba. Alors... N'empêche, ton Myrmidon, si ça a lui de jouer, balance un heal de zone, ça va reste Katox. Oui, c'est ce que je voulais faire, mais il est pas dans le rayon et j'aimerais bien que... Tu peux le déplacer un petit peu, normalement. Oui, mais est-ce que tu peux t'approcher aussi, mon très cher nain, comme ça j'en profite pour te healer en passant. Ouais, j'arrive. Oh. Padapapapapap. Bonjour. Enchanté. Ah super, ça heal tout le monde sauf moi. Je suis... Ah oui, mais t'es loin. Ah oui, non, c'est vrai, j'avais oublié ça. Encore un coup ? Eh ben non, j'ai plus rien. Dommage. Et la goule qui enlève le inarrêtable, bravo. C'est beau. Et là, Arda, tu peux balancer la sauce, là. Il a plus inarrêtable. Mais... Non, Arda, il peut rien faire, il a peur. Ah, bah dommage. C'est con, j'ai waste mon... Il a invoqué des gens. Je vais pouvoir tout faire péter. Ça va être incroyable. Alors Katox, avant de les pousser, je suis chaud si tu me laisses taper. Ah, c'est dommage. J'ai été relevé en fait. J'ai été relevé à ce tour-ci, donc j'ai juste une action bonus. Bon, j'ai waste mon truc Topple the Big Folk. Je suis très déçu. Oh, ça aurait été tellement drôle que ça passe. Je l'ai tué, mais vas-y. Bon, c'est pas grave. Non, mais... Tu peux pas les tuer. Voilà, je pense qu'elle va passer un très mauvais moment à Aurine. Toi, déjà, je vais me heal. Ça, c'est trop bien, le fait que je puisse me heal tous les tours, là. Je t'avoue. Attends, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose pour toi. Ça n'a pas marché. Oh, bah là, c'est... Non, mais c'est bon, elle est morte, hein. Vous venez de la mettre midlife en un tour. Voilà. Voilà. Hey, coucou. Est-ce que vous voulez un heal quand même? Avant de l'achever. Vas-y, balance. Eh, mon coup, il est parti dans le vent là. Allô? Ah, non, oui, voilà. Allez, ça dégage. Me dis pas que ça peut parler, hein. Ça sent le cuivre. Eh, métallique. Eh, on remarquera que mon perso il est nickel, y a pas une goutte de sang dessus. C'est vrai que tu es immaculée, tu es toute propre, toute belle.
à faire deux pas en arrière et admirer l'excellent travail que vous avez accompli. Il va falloir un temps fou pour nettoyer tout ça. Personne ne nettoie, genre, on va réclamer une augmentation. Oh, une petite dague. La touche pas. Elle est bien pleine de sang là. Hop. Allez hop, dans le cul. Merci. Oh, j'imagine bien le. Vous connaissez les avaleurs d'épée ? Bon bah là, c'est pareil. C'est pareil, mais... On a gagné mais... 1000 points d'XP. Wouh ! Et moi, je m'enfuis toujours. 9-19, putain, elle est pas dégueu, hein ? Pourquoi le signe, il est mort ? Bon... Je crois qu'il a, il a glissé de l'hôtel et son crâne a fait poc par terre et bah... Bon, tu sais, hein, les droïdes, c'est pas très solide. Druide. Ouh. Ah, on a encore plein de trucs à explorer dans ce temple, j'ai l'impression. Bah, déjà, il y a. Déjà, il y a les loot du boss. Allez-y, faites-vous plaisir. Ah, ils sont. C'est à une ou à deux mains. C'est pour les voleurs. Ah, c'est une épée courte. Dommage, parce qu'elle est belle, hein. Allez, Katox, je t'envoie une petite potion. Attendez, je vais looter Alcine, hein. Vous n'avez pas grand-chose. Oh, des potions, c'est surfait, je suis en pleine une forme. Quantité de dagues. La potion m'a fait plus 13. Hey. Bah, moi je suis full vie. T'avoues que le 10 PV par tour dès que je tape quelqu'un, c'est assez goldé, hein. On va pas se mentir. Fruc. Ah oui, c'est pas... qui font ça, ouais. Je sais pas pourquoi, mais je peux crocheter l'hôtel, donc bah je vais le faire. Oh, ah, mais en fait, on peut. Je t'arrête pas. On par là, on est pas obligé de remonter. Attaque et au damage. L'hôtel de Baal. Ça c'est marrant, j'ai l'impression qu'avant il y avait pas, elle avait pas d'armure, Aurine. Pourquoi tu rates ? C'est parce que le nain est sur l'hôtel de Baal. Qu'est-ce que quoi ? Hein ? C'est juste que je fais des jets de merde. C'est bon. Et en fait, l'hôtel de Baal a déverrouillé, c'était pour libérer la personne qui était accrochée à l'hôtel. En fait, t'aurais pu sauver, on aurait pu le sauver, Kiki, mais bon. Ah, il y a la mère d'Aurine là qui est empalée de partout, c'est. C'est sympa. Ah, il y a un petit, y a un petit wink aussi dans le dans la chambre. Hatch. Un petit wink à quoi ? Il y a plein de gens mourus. Bah, je sais pas, il y a des cadavres dans le. Il y a une clé de Aurine là. Ah bah. Trouvé. Ouais, j'étais là. Ah, je suis fier de toi. Oui, un coffre. Ah oui, donc, on l'a déjà dit. Toxine, malice, les envies de sang indigne. Ah là, vous voyez pas le perso qui est là ? Et bah quoi ? C'est qui ? Rejeton de balle mort. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, mais oui, oui, ok. Ah, oui. Voilà, ouais, carrément. Hein, bon, heureusement, il y en a un qui a les fils qui se touchent. Et bah quoi ? C'est le, perso que tu as de base quand tu fais le Dark Urge. C'est ça le terme que j'avais pu retrouver. Ah ! En fait, c'est ton héros si tu choisis le Dark Urge. Ok. Et moi, je sais pas, je trouve que c'est cool quand même comme, comme petit. Comme petit wink wink. Bah pour rendre ça, pour rendre ça valable quoi, dans cette version de l'histoire, bah elle l'a buté. Et c'est pour ça que moi, dès que j'ai fait la première run, j'étais là, ah oh, vas-y, là, je vais faire un Dark Urge pour voir comment que ça se passe dans l'autre sens. Mais bon, j'ai pas encore fini l'acte 2. Ah, je me doutais que t'allais trouver un truc, mais moi je peux pas monter là-haut. Ah, moi j'aurais pu te jeter. J'ai pas pensé avoir des gants qui me donnent une force de malade. Ah non, je vais les passer à quelqu'un d'autre. C'est Katox qui les a, je crois. Non ? Bah non, tu dois les avoir sur toi. En fait, c'est juste un retour au début plus rapide. Hein. Donc en fait, tu fais demi-tour, t'y es. Voilà. Hein, tu dois les avoir avec toi, hein, Arda, parce que là, les gants, c'est pas ceux que Katox a. Je les ai. Ouah, les gants de géant des collines.
Bah c'est, sinon si c'est... Si jamais il y a encore un endroit où on n'est pas allé... Où c'est? Toujours là, là. Ah, là-bas en face. Alors buter des ghouls après, moi perso j'avais buté tous les mecs de balle parce que... Mais ils ont sanctuaire. Bon et puis ils sont... Ouais tu peux pas les jeter dans le vide. Oh attends, attends, attends un truc. Il va les Est-ce pousser, que... Hein. Il va les pousser. Oh non. Mais je veux pas les jeter dans le vide, je peux pas les... Je veux juste le transporter d'un point A à un point B. Y'a rien, je suis un peu déçu. Sérieux? Du coup on peut se TP. Bah non, on est en rouge, on peut pas se TP. Oh putain. Oh par contre j'ai plein de bazar dans mes sacs. Oh, la dague vous me l'avez filée. Bah on en fait rien. Ah, en plus la dague c'est une arme liée, donc en tant que toi comment dire. Ah mais non, il faut l'aspect Non normalement Bound Weapon c'est bon, tu peux la porter même si t'as pas la proficiency. De qui tu parles? Alors en gros les armes, il y a une des armes de Orin, il y en a une des deux. Quand tu l'as en main principale, la créature qui est frappée avec cette arme reçoit vulnérabilité aux dégâts perçants, donc aux dégâts de la dague. Et oui, en off-end, quand la créature loupe avec un jet d'attaque de mêlée, vous pouvez riposter et vous gagnez True Strike. T'as avantage sur les jets d'attaque contre la créature. Elle est pas mal, hein, franchement, elle est... Ah, elle a disparu. Ah bah tiens, et en vrai, si t'avais les deux, ça pourrait... Ah ouais, mais non, ça j'ai fait moins... J'ai pris les deux, mais ça fait moins de dommages que quand je les ai pas. Ouais, c'est dommage. En vrai, avec peut-être une spé double main voleur, je sais pas. Ah, en voleur, c'est sûr que c'est mieux. Je pense qu'en voleur, tu peux pas faire mieux que ça. Hein. Vous êtes tous repartis, là? Bah ouais, je crois. Bah ouais. C'est TP, en fait, non? Ouais, ouais, j'arrive. Bon bah, Orin c'est fait, vous voulez qu'on fasse quoi d'autre? Gortash. Bah Gortash, alors... Terminer l'épisode. Ah, oui mais ouais, si on fait Gortash, ouais. C'est la fin du jeu, non? Bah... Il y a des quêtes à faire avant. On va peut-être aller chercher Minsk. Parce qu'il y a tout, en fait là on a fait qu'une partie de la ville, hein. On n'a pas fait tout... Il y a tout un pan de Baldur's Gate qu'on a snobé. Allez, rendez-vous à la porte de Baldur. Pour le prochain épisode. Oui. Oui. Ah, mais attends. Je vais vendre mes merdes. Fais des bisous, puis va vendre des merdes. Allez, bisous. A bientôt tout le monde. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ok. Salut. En vrai, c'est décevant.